Salut, salut! J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur mon décor avec mon petit hashtag Team Boopies. N'hésitez pas à le mettre en commentaire pour montrer que vous êtes là et que vous me suivez. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul orchestra, donc avec beaucoup d'éléments pour ma fille, deux petites choses pour moi et un haul Primark aussi. On va commencer tout de suite par orchestra. Alors, j'ai la carte, vous savez, orchestra, vous pouvez prendre une carte qui est payante. J'ai réussi à, au lieu de 30 euros, je l'ai payé 10 euros exceptionnellement, il y avait une offre. Et du coup, c'est moins 50% sur quasi tous les produits que vous achetez chez Orchestra toute l'année. Et pendant les soldes, je crois que vous avez moins 70%. Donc, moi, j'ai pris là des choses qui n'étaient pas du tout soldées ou pré-soldées. Il y avait une sorte de vente privée avant solde pour pouvoir bénéficier de moins 60%, mais j'ai rien trouvé en fait dans ce qu'ils proposaient. Donc, du coup, là, j'ai pris un petit haut comme ça, un petit gilet qui était dans le rayon femme enceinte. Et oui, je savais même pas qu'il y avait un rayon femme enceinte, pré-maman maternity en taille L. Alors, je suis plus enceinte, mais voilà, c'est un petit gilet basique. Mais je le trouvais trop joli. J'aimais bien un peu, voilà, le côté noir pailleté. Et j'aime bien les petits gilets comme ça qui sont très très longs, qui tombent en dessous les fesses. Voilà, quand il fait un petit peu frais l'été, j'adore ce genre de petit gilet, donc parfait. Pour ma fille, je lui ai pris des petits shorts. Parce qu'avec la canicule, ben voilà, elle a mis ce genre de petits shorts tout le temps et elle en a pas beaucoup. Je crois qu'elle en a deux. Du coup, ben, je voulais lui en acheter un pour cet été encore. Et là, j'ai pris un mantalo un petit peu. Et vous voyez, au lieu de 11,95, il m'a coûté du coup moi directement le prix en bas 5,98. Donc 6 euros ce petit shirt, ça reste tout à fait raisonnable. Ça revient à des prix de chez Primark hein, pour certaines choses. Il y avait juste ça qui était en promotion. C'est un petit débardeur, voilà, tout simple. Que j'ai pris à 1 euro au lieu de 6 euros. Alors je vous avoue qu'à 6 euros, je crois que je l'aurais jamais pris. C'est du 4 ans, c'est un peu grand, mais c'est pas grave, ça lui servira pour après. Ça sera toujours utile. Pour aller avec le petit shirt, chercher la couleur mantalo, voilà. J'ai pris un petit haut que je trouvais trop mignon. Il y avait des petits hauts trop, 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 trop mignons là-bas. Voilà, un peu fleuri comme ça. Et c'est ce que j'aime bien, c'est le dos en fait. Je sais pas si vous verrez, voilà, le dos il est comme ça. Je trouve ça trop joli sur une petite fille. Et il est plus long derrière que devant. Donc ça, c'est sympa aussi pour elle. Voilà, vous voyez, il est un peu plus long derrière que devant. Pareil, il coûtait en plein pot 7,95 € et moi je l'ai payé 3,98 € juste avec ma carte Orchestra. Ça, c'est la nouvelle collection, donc je pense pas que ce sera soldé pendant les soldes qui arrivent. Et pour finir, pour ma fille, je lui ai pris une petite combi short. Vous savez que j'en avais pris d'autres chez Primark dans un autre haul Primark sur notre nouvelle chaîne, moi et Mélanie. Je vous mettrai le lien ici de la vidéo si ça vous intéresse. Et du coup, voilà, il y a un petit shirt, une petite combi, voilà, une petite combi short corail. C'est trop joli sur les peaux métisses. Et donc j'ai pris en 2 ans pour ma fille. Au lieu de 12,95 €, j'ai payé 6,48 €. Sachant que chez Action, chez Primark, celles que j'avais achetées pour ma fille, je les avais payées une à 6 euros et une à 4,50 € je crois. Donc ça reste dans les mêmes prix, sauf que Orchestra c'est quand même de la meilleure qualité que Primark. Et pour finir, pour mon doudou, j'ai pris ça. Alors ça coûte 10 euros. Là il y avait une petite réduction, au lieu de 12 euros c'était 10 euros, donc c'est pas grand chose en réduction. C'est, vous savez, les espèces de moules ronds là où vous pouvez faire le moule du pied et de la main de vos enfants. Pour Kayla, je l'ai fait à 1 mois et je l'ai fait à 1 an. Et du coup, pour Baby Oran, j'ai pas réussi à en trouver parce que ceux de Kayla, je les avais achetés chez Emma à 7 euros. Et j'ai pas, ils ont non plus chez Emma. Donc du coup, bah là, j'ai trouvé ceux-là à 10 euros. Je voulais absolument en rond parce que je me suis dit que ça allait être le même format que ceux de Kayla et ça serait pas pratique à ranger ensemble et pas les perdre. Et là, je vais le faire. Du coup, bah, il a 2 mois. Donc je vais lui faire pour ses 3 mois. Tant pis, il aura pas fait 1 mois, mais il ferait pour ses 3 mois et peut-être pour ses 1 an ou ses 2 ans. Je verrai, j'en rachèterai un d'ici là. Donc voilà, ça, voilà, c'est juste histoire d'avoir une petite souvenir de mon fils. Et je trouve ça trop mignon, surtout quand ils ont les mains toutes petites et les pieds tout petits. Donc voilà. Ah, j'ai acheté 2-3 petites choses, c'est Tiger, je voulais vous les montrer, comme ça c'est fait et ça vaut le coup. Il y a un Tiger au quartz, où il y a un Primark aussi. Et j'ai pu, d'ailleurs il est plutôt grand le Tiger du quartz. C'est un magasin un peu style Action, un petit peu plus cher, ça dépend ce que vous cherchez. J'ai pris une espèce de boîte comme ça. Pour une lunchbox entre guillemets, avec les couverts et le pot à salade pour l'été. Alors c'est pas mal parce qu'il y a 3 compartiments, il y a un grand compartiment, je sais pas si vous verrez, voilà, un grand compartiment avec 2 petits, sauf que en fait j'ai remarqué après que c'était pas vraiment des vraies séparations. Ça veut dire que si vous mettez, il faut bien tenir votre boîte entre guillemets comme ça, parce que si vous mettez dans votre sac, parce que moi je voulais l'emmener pour le travail en tant que maîtresse, si je vous le mettais dans le sac comme ça, par exemple, tout va se mélanger.
Bon, c'est pas grave, mais voilà, je trouvais ça sympa d'emmener ça pour l'école quand je vais reprendre le travail. Et c'était 3 € la lunchbox. Pour ma fille, je vais acheter un petit gobelet comme ça. Ouais, vous allez dire, mais pourquoi t'as acheté ça? En fait, c'est parce que je trouvais ça pas mal avec Elsa de la chaîne Loulou Diary. On était ensemble au magasin et du coup, je trouvais ça pas mal parce que vous mettez votre jus ou votre eau à l'intérieur et en fait, elle a juste à boire avec la paille sans avoir à faire comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un trou en fait au fond et ça permet de traverser et de boire par la paille. Moi, je trouve ça trop marrant à 1 €. Faut pas que je fasse de catastrophe. Et toujours à Tiger, j'ai pris un petit livre avec les couleurs. Vous avez toutes ces couleurs-là à l'intérieur. Vous avez à chaque fois des petits dessins, l'éléphant bleu, etc. Et du coup, ça permet de travailler les couleurs avec les enfants et de travailler aussi bah, les petits dessins. Donc, qu'est-ce que c'est un éléphant, un chapeau, etc. Donc, je me suis amusée avec ma fille à le faire hier. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. D'ailleurs, voilà, c'est assez basique. Hein. Il n'y a pas de mots, il n'y a rien. C'est pas pour faire de la lecture ou quoi. C'est vraiment juste pour l'entraîner comme un imagé coloré. Et voilà, ça m'a coûté 1 €, donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Passons chez Primark. Alors, il faut savoir que chez Primark, il y a des choses qui ne sont pas pour moi. Il y a des choses qui sont pour une fille qui s'appelle Virginie, qui avait avant une chaîne YouTube et qui n'en a plus. Elle avait envie de trucs de chez Primark. Et moi, je me suis dit, si j'ai l'occasion, si je les trouve, je vais lui prendre. Bien sûr, elle m'a remboursé, mais je voulais vous les montrer, comme ça, ça peut intéresser certaines personnes. Virginie, elle voulait absolument les pinceaux comme ça, un peu licorne, vous savez... avec les bâtons en corne quoi. Et du coup ils sont violets. C'est vrai qu'ils sont très jolis. Il y a la trousse derrière avec argenté. Mais je l'ai trouvé quand même cher, faut avouer, pour du Primark. Je sais pas du tout si la qualité du pinceau est bien. Mais voilà, 9 € le lot de 5 pinceaux pardon. 3 pour le teint et 2 plus petits. Et la trousse elle est plutôt pas mal. Bon voilà, pour celles qui sont intéressées. Pour Virginie toujours, elle voulait... cette petite chose là, alors qu'est-ce que c'est exactement? C'est je pense un chargeur en forme de licorne, une batterie pour recharger ce téléphone. Donc voilà. En revanche, j'avais pas vu, il a été ouvert ou pas? Non, il n'a pas été ouvert. Heureusement parce que j'ai pas fait gaffe dans le magasin. Et ça c'est 10 €. Donc ça reste, c'est assez lourd hein, quand même. Hein. Ça reste cher quand même je trouve, mais bon voilà, pour celles qui aiment tout ce qui est licorne, etc. Voilà, ça peut vous faire plaisir. Et pour Virginie, la dernière chose que j'ai trouvée, oula, la catastrophe Karine, la catastrophe. La dernière chose que j'ai trouvée pour Virginie, ça peut vous intéresser, c'est la palette nude comme ça, qui coûtait 6 €, pareil, je la trouve pas donnée. Voilà, elle ressemble à ça, je sais pas si vous verrez grand chose, mais je vais pas enlever le... En revanche, il y a déjà, pourtant quand je l'ai prise, elle était quasi neuve, mais en fait, il y a des petits pigments qui sont bons. Pourtant, elle est toute neuve. Ça, c'est du Primark, ce que je voulais jouer. Ensuite, pour ma fille, je lui ai repris pour la rentrée plutôt des petites ballerines, parce que moi, je trouve que c'est toujours sympa que les petites filles aient des petites ballerines comme ça. Donc, avec des petits nœuds, elles étaient à 5 € chez Primark, et je lui ai pris une taille 25-26, sachant qu'elle met du 25. Je les ai essayées, ça lui va, mais c'est un tout petit peu grand, donc je pense que pour septembre, ça va être très bien. Pour ma fille, je lui ai pris 2 petits t-shirts. Voilà, j'avais acheté le même style dans mon autre vidéo haul, comme je vous disais. Là, celui-là, il est passé à 2 €. D'ailleurs, pourquoi il est pas 1,75 €, c'est bizarre. Donc, je le trouvais mignon. Et celui-ci, donc je pense que si il est à 2 € aussi, voilà. Et un rose un peu pâle comme ça. Je me suis acheté un truc, voilà, qui n'était pas forcément utile, mais que je trouvais trop mignon. À 2 €, c'est un... Vous savez, un bandeau avec un gros nœud rose pâle comme ça, trop doux, vraiment il est trop joli. Je vais vous le montrer. Hop. Ah, il est accroché, mais je vais vous montrer moi comme ça. Voilà. Mais regardez-moi ça, toutes les mignonneries quoi. Il est trop beau. Bref, mais je le trouve trop beau à 2 €. Et pour finir, j'ai craqué chez Primark pour un maillot de bain que je voulais absolument, que j'avais repéré. Et en fait, j'ai le même style de maillot de bain. Que j'ai acheté à Primark il y a 2 ans. Celui-ci coûtait 14 €. Et voilà, bah, je me suis dit que j'allais reprendre dans le même style. Il est un peu cintré au niveau du ventre et du coup ça gaine un petit peu. Il fait des jolis seins. J'aime plutôt pas mal. Je le trouve très joli, vraiment pas mal du tout. J'ai pris en taille 46 parce que le 44 que j'ai de chez Primark est un peu... il commence à se faire vieux d'ailleurs, il est un peu abîmé et du coup il est un peu serré. Donc je pense que c'est les derniers kilos de grossesse qui me restent. Donc là voilà, 46. Mais je le trouve trop trop joli. Voilà, pour 14 €, ça reste tout à fait raisonnable. Voilà pour mes achats Primark Tiger.
et Orchestra. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à me dire vos petits derniers achats, vos petits craquages, vos petites mignonneries aussi du moment ou ce que vous préférez dans ce que j'ai acheté. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt dans un futur haul ou une nouvelle vidéo. Salut, salut.